Et salut à tous, c'est Tous Food et Pâques. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de vente-échange. Alors celle-ci, je sais qu'elle est attendue par de nombreuses personnes. Alors j'ai tellement de choses à vous montrer, surtout en carte, que je vais faire ça en deux vidéos, sinon ça va être vraiment très long, très chiant pour vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les cartes qu'il y a à l'échange, sauf les ultra rares. Et dans la prochaine, je vous montrerai toutes les ultra rares qu'il y a à l'échange ou à la vente, hein, ainsi que des boosters qui sont à la vente. Et puis même des goodies, des figurines, voilà. Donc on va commencer, j'ai fait plusieurs petits tas. On va commencer par les cartes qui va peut-être vous intéresser le moins, mais je sais que ça peut intéresser du monde. Donc les cartes communes et peu communes, mais elles sont toutes reverse. 99% des cartes sont neuves, donc ça commence mal, la première n'est pas neuve. Quasiment tout est neuf, si c'est pas neuf, je vous le dis pendant que je passe les cartes. Donc je vais passer les cartes assez vite et je vais pas dire tous les noms. Donc voilà. Donc on a ici un Rattata. Comment je vais faire? Je vais mettre ça à côté. J'ai tellement de trucs. Un autre Rattata. Donc ça c'est Glaciation Plasma. Je vous les passe rapidement. Alors il y a des doubles. J'ai fait exprès de laisser les doubles. Dans le sens où je sais que les joueurs aiment bien avoir des fois 3 cartes dans leur deck ou quoi. Donc me demandez pas par exemple 10 tritons alors que j'en ai 2 par exemple. Tout ce que j'ai est ici. Je n'échange rien d'autre. Rien d'autre. Donc voilà, je vais essayer de les passer rapidement. Donc Nidoran, Muna, Quantum, je vous les montre comme ça. Donc il y a pas mal de cartes des éditions Explosion Plasma, tellement ouvert cette série. Donc ça, je vous les montre. Alors ça vous plaît peut-être pas à tous, mais je préfère les montrer. Au moins, c'est fait. Donc, je les passe rapidement. Donc pour les ventes, vous me proposez en message privé ou en commentaire, mais je préfère quand même en message privé. Combien vous voulez mettre, et pour les échanges, vous me proposez peu importe, hein, je cherche uniquement des ultra rares et des boosters, pack, coffret, tri-pack, etc. Hop, Locklass, Kangaroo Extra, Karmin et Urza Ring que j'ai 4 fois. Voilà, je vais juste les remettre comme ça. En fait, elles sont classées par horde de PV, comme ça, pour bien trouver, c'est plus simple. Voilà, donc ça c'était pas très intéressant, mais bon, je voulais vous le montrer quand même. Donc là, le gros tas, c'est toutes les rares, je vais le faire en plusieurs fois. Alors, premier paquet. Donc je vous donne pas les séries, hein, vous devez savoir les cartes que vous recherchez ou qui vous intéressent. Donc là, on a un Rwagada, donc celle-ci, elle n'est pas neuve. Voilà, elle est en bon état, mais elle n'est pas neuve. Si je vous dis rien du tout, c'est 100% neuf. Donc je vous les passe rapidement également. Donc il y a de belles cartes. Là c'est que mes doubles en fait. Ou celles que j'ai en plusieurs, en plus que double. Comme ça, comme le Mascadrake que j'ai au moins 10 fois. C'est une carte que j'ai souvent tombée. Alors celui-là est neuf, le Eoko de. Ça doit être Éveil des légendes, je crois. Celle-ci est d'occasion. Tiens, je me rends compte que c'est pas rangé par PV là. C'est pas grave. Celle-ci est d'occasion. Voilà l'état. Voilà. Donc je ferai pas trop d'efforts si vous prenez une carte sur le prix. Toutes les rares, tout ça, sont autour de 1 à 2 euros. Ça dépend. Oui, je fais pas de gros prix, hein, 1 à 2 euros. Après, si vous en prenez 10 ou plus, je ferai des efforts. J'offrirai les frais de port déjà. Un article que j'ai en plein de fois. Voilà. Un Roserade. Celle-ci est d'occasion. Capidextre, ça c'est Dragon Exalté. Limaspeed que j'ai en plein de fois également. Alors vraiment je fais cette vidéo pour me débarrasser de mes cartes que j'ai en trop, qui prennent de la place, qui servent à rien. Je préfère vous faire profiter ça plutôt que de les mettre sur eBay. Bon après si dans 3 mois il m'en reste, hein, ça partira sur eBay. Donc ça serait dommage parce que sur eBay ça risque de partir dans les 10-15 euros le lot de 10. Hein. Des gros drives et Symbios de Explosion Plasma. Ouais, je vous disais, j'ai beaucoup de cartes d'Explosion Plasma. Je mets ça de côté. Ensuite, le deuxième tas. En tout cas, je suis bien content de l'achat de ce tapis. C'est vraiment plus pratique que l'espèce de truc plastifié que j'avais avant. Ensuite, Marest.
J'étais en train de me mettre en style j'ouvre les cartes quoi. Marest, un peu comme une Marest, Marest, Marest. Non, non, je montre des cartes, j'ouvre pas des boosters. Suicune. Alors, on m'a repris. Alors, on m'avait repris pour me dire qu'on disait Suicune et pas Suicune. La dernière fois, j'ai dit Suicune et on m'a dit Suicune, c'est bizarre, c'est Suicune hein, qu'on dit. Alors, bon. Maintenant, je dis Suicune et puis voilà. donc, celle-ci, elle est plutôt jolie. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Très très belle carte. Des lance-argots. Donc, tout est neuf. Hein. J'ai tout est neuf, tout est sorti de booster moi-même. J'ai ouvert du explosion plasma à gogo. Un Vroabam, enfin deux. Étoiraptor. Un Pogra Griffe, Vasilis, j'en ai plusieurs. Hop, je vais mettre ça de côté. Papillusion, Dardarian, Ariyama, Polagriffe. Tiens, celle-ci elle est un peu plus sympa. Un peu plus rare, on va dire. Donc celle-ci, c'est une rare de Appel des Légendes. Vous pouvez voir juste en bas le logo. Ok. Beto Chef, lui, je peux plus le voir. Recorrible. Donc ça, c'est des gros PV, hein, pour ceux qui cherchent des gros PV. Ouais, voilà. Megapagos, que j'ai en 50 000 fois. Mamochon, Isoqueen. Il faut savoir que dans un booster, il y a une seule rare. Donc ça peut être intéressant de les acheter à l'unité pour ceux qui en cherchent. Boum, ça c'est fait. Ensuite, on va crescendo, hein, du moins intéressant, plus intéressant. Donc ensuite, j'ai quelques reverse en rare ou en holo. Donc je vais vous les montrer. Donc Tenefix, Lima Speed, que j'ai plusieurs fois. Mascadra, ouais, même lui, je l'ai même en reverse hein, plusieurs fois. C'est vraiment une carte qui m'a suivi. Le Momartic, donc c'est des reverse, hein. Donc, ça se voit je pense. Un Suicune. Pyrax. Donc là il n'y a que de l'explosion plasma, je suis en train de me rendre compte. Gros Drive et Charmillon, il y a encore une carte, ça c'est Dragon Exalté. Je l'avais ouvert avec vous d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et Hyporoi de Glaciation Plasma, voilà. Donc tout ça c'est à la vente ou à l'échange également, tout est neuf. On va mettre ça de côté. Ensuite, j'ai des cartes promotionnelles. Alors, on a un Pangoléon. C'est la BW56 en promo. Donc, celle-ci, c'était dans des... Bah, de toute façon, tout était dans les tripacks, ce que je vais vous montrer. Voilà. On a un Smogogo. Donc, ça, c'était... C'est pas une promo en bas, mais c'est bien une promo. Hein. C'est celle des Diopacks. Vous voyez, l'holographisme est différent. Sinon, elle est de Tempête Plasma. Voilà, c'était dans les duopacks, je vais y arriver. Ça, c'était dans les tripacks, je ne sais plus lesquels tripacks, mais c'est la BW85, donc c'est Lucario, que j'ai en masse deux fois. Voilà, si ça vous intéresse. Hein, je l'ai fait à... Ça, je pense l'ai fait à 1€ pièce, non négociable. Voilà. Ouais, je pourrais faire plus, hein, c'est sûr, mais bon, j'en ai tellement que je veux m'en débarrasser. Et puis, le Genesect qui était avec le Lucario, hein, c'était les deux cartes des promos des tripacks. À l'époque, je sais plus c'était quel tripack. Ça devait être des tripacks. Peut-être Explosion Plasma, c'est peut-être ça. Ouais, ça doit être ça. Et le Genesect. Voilà. C'est plutôt sympa. Et non, je fais 1€ également. La BW86. Voilà pour les promos. Il bon, n'y a pas grand-chose. Enfin, il y en a pas mal, mais la plupart, c'est des doubles. Ensuite, on va passer à ce qui peut peut-être le plus vous intéresser pour cette vidéo. Je vais la couper le paquet en deux. Donc les holographiques. Donc les holos ça va d'1€ à 2€ selon la carte. Après tout peut passer à 1€ si vous en prenez une dizaine par exemple. Je vous dis je m'en débarrasse vraiment. Alors on a un Créfolé qui est très mignon. Enfin très mignon, qui est plutôt pour reprendre l'expression de certaines personnes, qui est plutôt badass. Donc voilà. Donc ça c'est toujours Explosion Plasma. Donc j'ai en plusieurs fois un Roserade. Ça c'est du diamant et perle, alors je pourrais pas vous dire la série. Ça c'est diamant et perle, mais de base, Roserade. Donc toutes c'est neuf. Toutes les holographiques sont neuf. Pachmilia, ça c'est Pachmilia de Destinée Future, ouais c'est ça. Donc c'est plutôt intéressant, hein, des petites holographiques plutôt mignonnes. Cryptero.
On vient déjà presque à 10 minutes de vidéo, pour ça que je préférais faire en deux parties. Fenard, donc ça c'est de Dragon Exalté, voilà, très joli. C'est ma carte préférée Dragon Exalté avec le Pharamp. Profitez-en. J'ai en plusieurs fois pour satisfaire plusieurs personnes. Cryptero de la même série, Dragon Exalté. Coiffarel, ça c'est bah, XY, hein, un nouvel effet holographique. Que j'ai eu en double, donc je mets à l'échange. Bagaïde, Destiné Futur, ouais c'est pas trié du tout. Hein. Ça c'est Tempête Plasma. C'est mon coco. Ouais, vous voyez, c'est pas la même holographique que l'autre. Lucario, Destiné Futur. Il y avait une promo de cette carte, il me semble. Démolos, Explosion Plasma. Peut-être la plus belle holo d'Explosion Plasma, celle-ci, je pense. J'adore le noir, moi, donc. Zoroark, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Si, je l'ai en triple, mais je l'ai gardé en double. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire pourquoi. Mais je l'adore, je l'ai gardé en double. Vraiment belle, elle fait vraiment. On croirait vraiment au manga, quoi. Bah, Pokémon, c'est un manga, vous me direz, mais. Très joli. Donc, ça, c'est XY, je l'ai déjà dit, je crois. Volcaropod. HS Indomptable. Allez, on va dire HS Indomptable, pas sûr du tout. Simiabras, 2 diamants et perles. Miasmax, 2 dragons exaltés. Milobelus, pareil. Non, je regardais, c'est pas le même Miasmax. Celui, c'est Tempête Plasma, celui-ci. Tout qui tombe, j'étais en train de remettre tout derrière. Elector, celle-ci, c'est Destiné Futur. Ouais, c'est ça. Donc, très jolie carte. Ouais, j'ai fait le tri dans mes classeurs et je me suis dit, bon, je vais enlever toutes les doubles. J'en ai marre. Mes classeurs, ils pèsent 10 kilos alors que il y a beaucoup de doubles. Donc, j'ai bien fait de faire le tri. Et c'était marrant parce qu'après, c'était beaucoup moins lourd. Aeropteryx. Ouais. Destiné Futur, ça c'est Lugulabre, très joli. Ensuite, Togekiss. C'est HS Indomptable, je crois. Très joli. Un Zekrom de Glaciation Plasma, il me semble. Donc celui-là, il est assez rare. 9. Et Sorbouboule, que j'ai en 3 fois, de Destiné Futur. Donc vous voyez, avant, je vous montrais les cartes vraiment comme ça, mais depuis que j'ai mon tapis, je peux filmer avec moins de zoom. Et du coup, je peux vous les montrer d'un peu plus loin, c'est sympa aussi. Voilà. Ça permet de voir la carte en entier. On dirait ce que vous en pensez, hein. Moi, je préfère comme ça. Ensuite, deuxième paquet d'holographiques. Donc là, si je me trompe pas, ouais, c'est tous les gros PV, 130 PV jusqu'à 160. Alors, on a un joli Reshiram qui est de la même série que le Zekrom. Hop. Pour Egon Z, je vais vous les montrer comme ça. Donc ça, c'était les séries Plasma. Moi, je suis content que c'est terminé, parce que le bleu, à chaque fois, dans les boosters, j'avais l'impression d'avoir une ultra rare. Pingoléon, Diamant et Perle. Golemastog 2, Explosion. Ça, je sais, j'en ai plein. C'est pour ça que je fais comme ça. Un joli Flambusard. Donc voilà, profitez-en des cartes XY toutes neuves pour à peine 1€. C'est quand même bien. Flambusard. Une de mes holos préférées. Je sais que c'est la préférée de Nejan. Donc si tu regardes cette vidéo, un petit coucou à toi. Flambusard, holographique, XY, un Golemastog de Dragon Exalté, Lugulabre de Glaciation Plasma, Tranchodon de Explosion Plasma, celui-là c'est pareil, je l'ai en plein de fois, il est très très joli. Le Tortank Explosion Plasma, donc c'est le Tortank holographique, cette carte elle est quand même très très rare, sur eBay elle part vraiment vers 3-4€, donc ça peut être intéressant de l'avoir pour 2€, voilà. Celle-ci elle sera à 2€ par exemple. Voire un peu moins si vous en prenez plusieurs. Alors celle-ci, je l'ai en plein de fois. Voilà, je l'ai en 5, 6 fois. Voilà. Très très beau. En Explosion Plasma, j'ai ouvert plus de 150 boosters, peut-être même plus. J'avais trouvé vraiment des grosses affaires. Et du coup, d'ailleurs, il m'en reste plein à ouvrir, mais j'en ouvre plus, ça intéresse plus personne, et moi, ça m'intéresse plus du tout. Donc Togekiss, c'est Tempête Plasma, ça? Je crois que c'est Tempête Plasma, pas sûr. Voilà, un Tranchodon d'explorateur obscur. Avec les explorateurs obscurs que j'ai ouverts récemment, et j'ai eu pas mal de doubles. Le Pharamp que je parlais, ça c'est ma carte favorite en holographique de Dragon Exalté. Quand je l'ai vue, j'étais émerveillé. Elle est vraiment très belle. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Voilà. Au massacre. Explosion Plasma. Un Luxray.
je sais pas si on dit Luxray, non Luxray je pense, de Destinée Future. Celle-ci elle est sublime. Moi je la trouve très belle. En 3 fois. Un gigalith de Dragon Exalté au massacre d'explorateur obscur. Galeking de Dragon Exalté, Florizarre d'explorateur obscur. J'en ai un peu marre. Celle-ci elle est plutôt rare. Et puis Macogneur, j'en ai encore derrière. Macogneur de Explosion Plasma. Donc ce Macogneur là il est plutôt beau. À chaque fois que je la sortais, même si je savais que je l'avais en double, je la trouvais très jolie. Voilà, Macogneur. Je sais qu'il y en a un rare dans cette série là et il est pas terrible. Voilà, il reste Crocorrible d'Explorateur Obscur que j'ai un deux fois. Donc, tout est neuf toujours. Et la dernière holographique, Rhinastock de XY de base. Voilà, hein, donc les cartes sont toutes 100% neuves. Bon, elles sont pas pochetées, j'ai pas mis de pochette, sinon j'en aurais plus, je crois. Mais lors des échanges, elles seront mises sous pochette, bien sûr. Donc voilà, ça fait un bon paquet, quand même, de cartes. À l'échange ou à la vente. Donc des holographiques, je vais pouvoir mettre les petits tas. Je vous ai tout montré. Ouais, je vous ai tout montré, quand même, que je regarde. Donc des holographiques, des holo-reverse, rare-reverse également... des rares, vous voyez, un bon paquet de rares. Et puis, des petites communes. Et encore reverse, également des petites promos. Donc, si vous avez repéré des cartes, hein, bah, n'hésitez pas à mettre pause. Hein. Des fois, je passais vite, mais vous avez vu, ça a duré vachement de temps. Donc, j'étais obligé de passer vite. Si vous avez vu des cartes qui vous a intéressé, bah, n'hésitez pas à me faire une proposition par message privé. Vous pouvez également par commentaire, mais j'avoue que je vais peut-être pas répondre à tout. Surtout que des fois, ils se mettent dans la boîte spam. Alors, je sais pas pourquoi. Et d'autres fois, on peut pas vous répondre. Alors, je sais pas pourquoi non plus, je peux pas vous répondre. Peut-être parce qu'il faut que vous fassiez des vidéos ou je ne sais pas du tout. Je ne suis pas renseigné, mais depuis qu'il y a Google Plus, c'est assez chiant. En tout cas, il y a assez moyen pour me contacter entre Twitter, Facebook, mon YouTube, Skype, etc. Même mon mail. N'hésitez pas à me faire des propositions. Par contre, le petit bémol, je ne ferai pas d'échange ou de vente en dessous de 5 cartes. Voilà, 5 cartes minimum. Sinon, voilà, avec les frais de port et tout, je vais plus m'en sortir. Voilà, juste 5 cartes minimum. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde!